Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle réaction sur Baby Girls, anciennement Brave Girls, du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Ça s'appelle One More Time, et j'ai peur que ce soit une balade, mais bah, on va voir quand même ça à la première écoute. Let's go! Trois, deux, un, c'est parti! Oh mon dieu! Ça, c'est quelqu'un qui est triste. Qui s'assoit comme ça par terre dans un couloir. Un sad banger peut-être. Allez, let's go. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de groupe qui est dans cette avenue-là. De meufs un peu matures qui font genre des sad bangers avec des histoires genre de personnes adultes. Et donc, je suis content qu'il y ait un groupe qui soit dans ce... C'est bien. Ouh, c'était bien ça. J'attends de voir quand même. Ça aurait pu être mieux au niveau du refrain quand même. Je trouve en fait le son vraiment bien. Donc les sons, tout ce qu'on entend. Les paroles sont cool aussi. Genre tous les sons sont cool quoi. Mais le refrain il est un peu en deçà quoi. Ça aurait pu péter un peu plus. Ou enfin... être plus différent des couplets, donc à ce niveau-là, c'est un peu décevant. C'est un peu répétitif en fait. Par contre, je sais pas comment ça s'appelle, mais celle qui est le carré, elle a des super tenues. Ouais, quand on écoute, genre, franchement, sans les paroles, enfin, sans le chant, juste le son en fond, il est grave bien quoi. Petit bridge. Hein. J'aime bien cette scène avec toutes les fringues. Très Madonna. J'aime bien les petites vocalises et tout là. C'est trop bien. En vrai, ce qui m'énerve avec cette chanson, c'est que j'ai l'impression que ça aurait tellement pu être un giga banger de l'espace. Mais sans déconner, ça aurait pu être la meilleure chanson de l'année. Mais le refrain, il se décroche pas assez des couplets. Et ça pète pas assez. Et du coup, c'est trop frustrant, je trouve. Parce que le son derrière, putain, mais il vend du rêve, quoi. One more time. Bon voilà, c'était Baby Girls avec One More Time. C'est parti pour la petite note. Et c'est un 12 pour One More Time. On parle un peu de ça. J'ai mis un 3 pour la chanson. Je suis un peu déçu du truc. Mais en soi, la chanson n'est pas mauvaise. Et j'aime beaucoup le son qu'on entend en fond. Je trouve que toute l'ambiance autour du truc, de la chanson, est vraiment très 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 bien. Ça te propulse en fait dans une ambiance. Et ça, j'aime assez bien. Un truc un peu mélancolique. Et ça, j'aime beaucoup. Et j'ai mis un tout petit 1 pour tout ce qui est attention grabbing. Ben, en fait, c'est très monotone, donc ça veut dire très oubliable malheureusement. Il n'y a rien qui sort du lot, dans le sens où elles n'ont pas des tenues forcément incroyables, même si les tenues sont belles. Le MV n'est pas incroyable, même si le MV est beau. Et la chanson n'est pas incroyable, même si la chanson est bonne, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est vrai que, est-ce que je vais encore m'en rappeler dans un jour, dans une heure, demain? Je suis pas sûr, et je trouve que c'est un peu dommage, surtout que c'est une sorte de redebut. Et je pense qu'il y aurait, enfin il fallait même, c'est pas il y aurait fallu, c'est il fallait taper un grand coup, et j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. Maintenant, ça ne veut pas dire que le groupe va s'arrêter ou quoi que ce soit, ou même que mon avis va changer quoi que ce soit. On peut aussi voir ce qu'elles vont sortir après, et ça peut être des grosses dingueries, et ça peut être genre trop stylé, et on sera tous on board. Mais globalement quand même, je trouve ça bien, plutôt bien, mais c'est un petit bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre
c'est un petit bien quoi. Je pense que Brave Girls a sorti de bien meilleures chansons. Bref, quelle est votre note à vous? Dites-le moi dans les commentaires et on se dit à la fois prochaine pour une autre vidéo réaction. Tchic 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 tchic. Annyeong.